Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera les sorties livresques du mois de décembre. Donc je n'ai noté pas énormément, que ce soit manga ou livre. En même temps je me dis tant mieux. Mais je pense que surtout ce que je vais acheter en livre, je pense que je m'achèterai que deux livres. Et en manga, je pense que ce sera juste des suites de séries, tout simplement. Tout d'abord, on va commencer par les mangas. Donc le 1er décembre, il y a le tome 9 de Devil's Line. Je suis toujours en retard pour cette série. Le 6 décembre, il y a le tome 5 de She Kills Love, donc ça c'est une sortie que j'attends avec impatience. Le 7 décembre, il y a le tome 2 de Good Morning Little Briar Rose, donc ça c'est chez les éditions Akata. Ensuite, le 13 décembre, il y a le tome 2 de Close to Heaven, donc j'ai lu le premier tome et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le 13 décembre, donc le tome 8 de Takane et Anna, donc j'adore la couverture et j'ai tellement 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 hâte de la lire. Donc maintenant on va passer au roman. Et oui, il n'y a que ça que j'ai noté en manga. Et en roman, j'ai envie de dire c'est à peu près le même nombre. Donc dans les romans, donc le 1er décembre, donc il y a Les Écorchés, le tome 1 de Tilly Cole. Donc ça j'ai trop 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 envie de l'acheter. Et voilà. J'ai cru comprendre que c'était un peu sombre dans la mafia, tout ça, donc à voir. Ensuite, toujours le 1er décembre, donc il y a le tome 16 de Petit Changeling. Donc ça c'est une valeur sûre, directe, précommandée. Voilà, je viens de vous dire. Le 5 décembre, il y a le tome 6 de Third. Donc moi, j'ai lu que le premier tome. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 qui sont dans ma palme. Bon, je vais le lire. Je l'ai quand même noté pour ceux qui suivent un petit peu la série. Ensuite, le 6 décembre, il y a Darker. Donc c'est, moi, j'ai pas noté pour moi. J'ai noté juste pour les personnes qui, pour vous, en fait, si ça vous intéresse. En fait, c'est le deuxième tome du point de vue de Christian Grey. Dans la série Fifty Shades of Grey, voilà. Moi, j'ai adoré les livres, franchement, parce que puis j'avais déjà lu en fait la version fanfiction avant de lire les livres, et dans tous les cas, j'avais adoré les deux versions. Mais les films, ça l'a vraiment, mais vraiment, vraiment pas fait. J'aime pas les deux acteurs qui ont été choisis en fait, donc voilà. Le 18 décembre, il y a le tome 5.5 de la série Blood of Silence, donc ça, c'est de Amélie et Marie-Rage. Donc je l'ai mis le tome 5.5 parce qu'en fait j'avais le tome 4. Le tome 4 c'est sur Klaxon et Savage. Donc je disais le tome 5.5 en fait il me le faut absolument puisque c'est encore sur Klaxon et Savage. Donc moi je suis clairement pas la série mais j'aime tellement Klaxon que j'ai tellement hâte de lire cette petite nouvelle qui va se passer en Irlande je crois si j'ai bien compris. Enfin bref, donc ça sera le 18 décembre. Et pour terminer cette vidéo sortie livresse, donc le 20 décembre, il y a le tome 5.5 de Adrienne English. Donc c'est une série MM que j'aime aussi beaucoup, suspense policier que j'apprécie et surtout le personnage d'Adrienne que j'adore. Donc voilà, je l'ai mis, je suis en retard dans la série, j'ai lu le tome 1, le tome 2, mais il me faut que je lise le tome 3, le 4 et le 5. Voilà, mais j'ai noté quand même pour moi. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sortie livresque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres livres que vous vous attendez en décembre. De toute façon, décembre, j'ai envie de dire, égale Noël pour certaines personnes. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!